Aujourd'hui marque le coup d'envoi officiel des Jeux intercontinentaux, où des équipes du monde entier vont s'affronter. De l'athlétisme à la natation en passant par la gymnastique, ce sont en tout des dizaines d'épreuves qui vont se dérouler. Le plus dur est de savoir par laquelle on va commencer. Je suis Muriel Reeves de Coral Harbor News. C'est clair, ma mère a raison. Par quoi commencer? Le saut en hauteur, c'est trop cool. Moi, c'est le basket que je veux pas louper. Non, c'est plutôt l'haltérophilie. D'ailleurs, je devrais peut-être y participer. Désolée de casser l'ambiance, mais j'ai besoin de 3 volontaires pour aller contrôler les tours Morphix. Mais les jeux vont commencer! Vous ne pouvez pas vous soustraire à vos responsabilités sous prétexte que vous avez mieux à faire. Vous avez raison. On va s'en occuper. Très bien. Quand tu dis « on », à qui tu penses exactement? À nous tous, évidemment. Si tout le monde s'y met, on aura fini plus vite. Donc on pourra peut-être voir quelques épreuves. C'est juste, pas vrai? Pas de soucis pour moi. Non, attendez. Je vais rater l'haltérophilie. Pourquoi tout le monde serait pénalisé alors qu'il suffit d'être 3 pour faire le travail? Parce qu'on est une équipe, voilà tout. D'accord, mais je vais rater l'haltérophilie. Je sais, on n'a qu'à tirer au sort. C'est le seul moyen de savoir qui ira au jeu et qui ira contrôler les tours. Vu les choses sous cet angle, ça me paraît logique. Ok, tirons au sort. Voilà. J'ai mis tous nos prénoms dans le seau. Les 3 premiers que je vais tirer resteront travaillés, d'accord? Vas-y, Nate. Zoé. Devon. Et... Nate! Wouhou! Oh, cool! Ouais. C'est Ravi et moi qui irons au jeu! Non. C'est le sort qui en a décidé ainsi. Désolé. Ciao! Pourvu qu'on soit bien placé. J'ai trop hâte d'y être. Bon, au boulot. La flamme est allumée. Les Jeux intercontinentaux sont ouverts et on enregistre déjà un nombre record des spectateurs cette année. Ah, ils vont tous devenir gaga à regarder cette compétition. Tu oublies un détail. Si les gens ont la tête ailleurs, les Rangers ne feront pas exception. Ce sera facile de les anéantir. Tu as raison. Et quand Evox reviendra après s'être fait passer pour le maire, détruire les Rangers sera une divine surprise. Et d'après mon plan, ils ne s'en relèveront pas. Oh, dis-moi tout. Phénoménal. Elle tourne à 100% de ses capacités. Super. Une de moins. Et encore des dizaines à contrôler. La prochaine à vérifier est dans le secteur... Ravi, Steele, rejoignez-nous, il y a un robotron. Pas ça. Ok, on arrive. Vous allez avoir besoin d'aide pour venir à bout d'un poids lourd comme moi. Tu ressembles plutôt à un poids mort. Transformation. Activation Beast Power. Moyen de bouger tellement c'est lourd. Vous avez de la compote à la place des biceps. Oh non. Oui. Qu'est-ce qui se passe? C'est beaucoup trop lourd. Pas de soucis, je vais faire comme les haltérophiles qu'on vient de voir. Démonstration.
C'était juste un échauffement. Tu aimes le 4? Le quoi? Cloué au sol. Passons à une autre discipline. Le lancer du poids. Ça fait mal. Canon, paré. Dernière épreuve, le tir. Canon, Beast X, tir. Cette défaite est lourde à digérer. Encore un petit effort. Direct, t'as besoin d'aide. Waouh. Prends un côté et moi l'autre. Allons-y. C'est ce qui s'appelle avoir un point en moins. Qu'est-ce que je vous disais? Facile. Merci les gars. Rose, j'ai besoin de toi. Je vais apporter les premiers résultats à la base. Le commandant en a besoin au plus vite. Bonne idée. Zoé et moi t'attendrons à la tour 3. C'est pas vrai. On a raté l'épreuve de développé couché. Quoi? Sérieux? On est désolé. Vous avez tout tenté pour vous débarrasser de lui avant d'appeler à l'aide? Eh oh, c'est pas juste. On l'a pas fait exprès. Je m'en doute, mais on était si contents d'assister au jeu et ça vous est bien égal. Salut! En tout cas, on est tous responsables de la protection des tours Morphix. Et t'as pas l'air de te sentir concerné. Allons-y, Croze. Ok, Devon. Commandant, on a un problème. Déclenchez l'alerte rouge. Ranger, il y a un gigadrone en approche. Secteur Bravo, 5-7. Compris, commandant. Je rentre tout de suite à la base. On est en route, commandant, mais les jeux provoquent des embouteillages. Faites aussi vite que possible. Préparez les ordres. Ce building est parfait pour ton plan, Blaze. À qui le dis-tu? On va leur en mettre plein la vue. Les Rangers ne vont rien comprendre. En position. Rose, les autres vont pas tarder à nous rejoindre. On a vu ce qui vous était arrivé, ça va? Ouais, on a été aspiré dans un immeuble qui abrite un ring, mais on n'est pas seul. Il y a aussi un gigadrone et un commentateur vraiment chelou. Est-ce que tu vois un moyen de sortir de là? Négatif. Je vais transmettre aux autres vos dernières coordonnées en espérant qu'ils puissent entrer. Bien reçu. Tu es prêt, Devon? Plus que jamais. Que fait-il? Non! Il a grimpé sur un poteau! On dirait qu'il prend son adversaire de haut! Tout a l'air normal, mais ça doit être ce bâtiment. Devon est là-dedans? Regardez ça! Sur le mur! Waouh! C'est ça qui se passe à l'intérieur? On dirait un match de catch entre le Zord de course et un gigadrone. Il faut essayer de rentrer par n'importe quel moyen. Ils se font face en attendant la cloche! Ça va être un combat mémorable! Allons-y, Cruz. C'est parti! Bon! Wow! Magnifique crochet du droit d'Alpha Drone! Le Zord de course lui répond du tac au tac! Mais Alpha Drone ne veut rien savoir! Et il envoie son adversaire dans les cornes! Croisons les doigts. Inutile d'insister, ça ne marche pas non plus! Vu qu'elle résiste à la force du gorille, ce n'est pas une porte ordinaire. On va devoir sortir la grosse artillerie si on veut entrer. Et si on essayait avec un Mégazord? Bonne idée! Avec le Mégazord assaillant, par exemple! Pourquoi pas? Allons-y!
chercher. Ces deux titans donnent tout ce qu'ils ont dans le ventre. Si vous n'avez pas le cœur qui bat à 100 à l'heure, vous devriez appeler votre médecin. Le sort de course prépare quelque chose. Non. Il fait le coup de la corde à linge. Franchement, moi je dis respect. Bien joué, Cruz. Et maintenant, fiche en camp. Oh oh. C'est une blague? Tu vois ce que je vois? Oh oh, il y a deux nouveaux gigadrones. Tiens, tiens, Alpha Drone a appelé du renfort. Ouf. Oh, revoilà Night et Steel. On va soulever le toit de l'immeuble. Oh, pourvu que ça marche. Impossible d'ouvrir le toit. Et pourtant, on est costaud. Il n'y a plus qu'à se servir du blast rapide. Ça sert à rien. Ranger, on est dans une impasse. Tant pis, vous avez fait le maximum. Apparemment, notre Megazord n'est pas assez puissant. Il faut entrer par un autre moyen. Et en vitesse. Ce gigadrone soulève de la fonte au petit déjeuner. Et au déjeuner. Merci de votre aide. On va essayer de tenir le plus longtemps possible. Début du deuxième round. Un Beltron frappe d'entrée un grand coup. Reste à savoir si ce sera suffisant. Il en remet une couche, mais son adversaire ne s'avoue pas vaincu. Il reprend les poils de la bête. Oh, et il envoie un Beltron au tapis. Mais ce dernier passe le relais à son coéquipier. Prends ça dans les dents. Hein? Gamertron entre en scène. Mais pas pour se battre, visiblement. Non, pour danser. Regardez-moi cet enchaînement. Oh, il en fait des tonnes. Attendez, que fait-il? Il donne des coups de pied sans s'arrêter. Et le sort de course semble avoir du mal à encaisser. Pas de panique, Devon. J'ai dévié l'énergie vers le logiciel de réparation. Bien joué, Cruz. Faut que je lui rende la monnaie de sa pièce. Il ne cherche pas seulement à mettre son adversaire à terre, mais à mettre un terme à sa carrière. Wow, quel coup! Le sort atterrit dans les cordes et Dumbeltron en profite pour le retenir. Ce n'est pas très réglementaire, mais il n'y a pas d'arbitre pour les arrêter. Pas moyen de me libérer. Qu'est-ce qu'on fait? Ça sent la fin pour le sort de course qui a l'air complètement sonné comme une cloche de Pâques. Non, non, non. Wow. Oh non, encore un gigadrone. Le sort de course a l'air complètement sonné comme une cloche de Pâques. Oh non, encore un gigadrone. S'il parvient à entrer dans le bâtiment, ce sera un match à 3 contre 1. Ça craint. Il pourrait nous prendre en stop. Comme ça, on pourrait entrer. Bonne idée. Prêt? Prêt! Attaque de cap! Attention, ça risque de secouer. Super! Tenez bon, les Rangers! Appelez SOS dépannage! Le sort est carrément HS! Pas du tout. Contre toute attente, il réussit à renverser la vapeur et à mettre ses adversaires KO! Ça en fait deux en moins. Il n'en reste plus qu'un. Attention! C'est comme si le bâtiment nous avait recraché. Tiens, tiens, on a de la compagnie. Passons à la vitesse supérieure. Téléporteur! Fusière Beast X connectée! Activation mode Beast X! Mode Beast X activé! Modifier le programme de l'Ultrazord pour l'associer aux Zord King Beast X. Ça devrait suffire pour percer une ouverture dans le bâtiment. Il n'y a plus qu'à essayer. Venez. Prépare-toi à affronter ton prochain adversaire. Encore un? Ce puissant gigadrone n'a pas peur du danger et adore semer le chaos. Je veux parler de Delta Drone.
voyons ce qu'il a dans le ventre. Vas-y, Delta, montre-nous de quoi tu es capable. Il y en a combien comme ça? Face à deux molosses pareils, le sort de course a du souci à se faire. Le troisième round va bientôt débuter. C'est reparti. Oh, oh. Et le match se reprend sur les chapeaux de roue. Quel massacre. Je ne voudrais pas être à la place du Zord. Ça va, Cruz? J'essaie de tenir le coup. Je compte sur toi. Non. Oh, Delta Drone a l'air de s'amuser comme un petit fou. Gare au choc. Non. Oh. Le bloc de course semble accuser le coup, tant la domination de Delta Drone est totale. Non. Suite à ce terrible coup, le Zord est à nouveau dans les cordes. Et si c'était la fin du meilleur élément de la grille Battle Force? Les deux drones se regardent en se faisant un check. C'est le moment de porter le coup de grâce. Bon, oh, c'est du lourd. Je vois des étincelles, je vois de la fumée. Le Zord de course s'écroule comme une épave sous le regard triomphant de ses deux adversaires. Et voilà, l'Ultra Zord devrait être compatible avec le Zord King Beast X. Beau travail, Nate. Tu sais, rien n'est encore joué. Faites tout votre possible. Comptez sur nous. Bon, espérons que ça marche. Que fait-il? Le Zord prend son envol. Wow! Un énorme double kick qui envoie direct ses deux adversaires au tapis. Il faut le voir pour le croire. Tout le monde est prêt? Affirmatif. Prêt à tout casser. Zord hélico opérationnel. Et le temps presse, lance la séquence. C'est parti. Assemblage Ultra Zord King Beast X. Ultra Zord King Beast X. Ça a marché. Bien joué, mon frère. Cible en visuel. On fait quoi maintenant? Le sabre de l'Ultra Zord était spécialement conçu pour perforer le bâtiment. Y a plus qu'à l'essayer. Oh, que se passe-t-il? Ça va. Vous n'auriez pas dû gâcher la fin de mon match. Hé, hey, on dirait la voix du commentateur. Si je comprends bien, le bâtiment était en fait un robotron géant. Avec un ring de catch à l'intérieur. C'est un truc de malade. Et ce n'est pas terminé. Les gigadrones se sont relevés. Avant de retourner au combat en fonçant sur l'Ultra Zord. Non. Mais celui-ci riposte avec une brutalité inouïe. Ultra frappe! Gamer Drone est touché! Blast rapide! Et de deux! Oui, du coup, c'est au commentateur de finir le match! Allez-y, balancez la sauce! Wow, c'est un vrai moulin à paroles, ce type! Mais plus pour longtemps! Il a les poings en feu! Son corps entier est une arme fatale! Méfiez-vous de lui, Grille Battle Force! Bon! Malgré ses coups répétés, l'Ultra Zord ne bouge pas d'un pouce! Boxer Tron va devoir recourir à l'attaque qui a fait sa réputation! Oh, c'est quoi ce délire? Devon, tu veux nous aider à l'achever? J'en meurs d'envie. Il est capable d'encaisser les coups les plus violents! Sérieux? Là, on va voir ça. T'encaisses pas si bien que ça! Attaque Ultra King Beast X! Il cherche par où sortir! Mais il n'y a aucune issue de secours! Boxer Tron et KO! Le match est terminé! Quel spectacle grandiose! Virus éliminé!
le nouvel Ultra Zord envoie vraiment du lourd, comme moi. À mon avis, on devrait appeler cette formation le Steel. Merci, mais l'Ultra Zord King Beast X n'est pas mal non plus. Ah, oh, c'est pas vrai. Vous avez vu l'heure qu'il est? Les jeux sont presque finis pour aujourd'hui. Au moins, vous aurez assisté à quelques épreuves. Autant pour moi. En fait, je voulais vous dire combien j'étais désolé d'avoir été aussi égoïste. Et c'est pas cool que certains se divertissent alors que d'autres travaillent. Devon avait raison depuis le début. Ce n'est pas dans les habitudes des Rangers. Alors on va finir le boulot tous ensemble, comme ça personne ne sera lésé. C'est une excellente idée. Et puis si on se dépêche, on pourra peut-être assister à la finale de karaté. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Mettez votre kimono et attachez votre ceinture noire parce que les coups vont pleuvoir lors de l'épreuve finale de karaté. Dépêchons-nous! Viens vite, ça va commencer! C'est tellement mieux quand on est tous réunis. Tout à fait. C'est parti.